Thank you. And now, our possibly our most ambitious work of this season, The Tattooed Bride. The appropriate title, I think, would be better the honeymoon weekend of The Tattooed Bride. But the most unusual thing about this particular tattooed bride is the fact is the way she's tattooed. I mean, rather than to have... rather than having an assortment or variety of pictures, of diagrams and so forth, she has a continuous repetition of the same sort of a zigzaggy looking figure, and just many, many times until they all run into, and they look like either M's or W's. And of course, you know, an M or a W is four strokes, and we tried to make four notes out of it so as to turn it over from the optical to the oral. Is that right? Technically? Anyway, from sight to sound. And we took a pencil and wrote this M or the W, and we got these four sounds. Z-z-z-z-z-z-z-z-z, like the... Well, you'll now hear the development, but that is the theme. C'est Black & Blue Magazine, bonsoir à tous. Le 29 avril 1899 naissait Edward Kennedy Duke Ellington. C'était un bon début, il n'a pas voulu s'en tenir là. Dès qu'il fut en âge de se savoir mortel, c'est-à-dire de devenir artiste, naître, il n'a plus guère fait autre chose. Il y a bien trop longtemps qu'il s'est allongé sous la terre, à l'ombre des magnolias. Pourtant, il continue de venir au monde chaque matin, de nous faire venir au monde, de faire venir le monde à lui-même, venir et se rencontrer, se regarder, non pas revenir surtout. Voir la jungle à Harlem, le métro qui sent vers 6 heures du soir le lion et la gazelle, voir le bleu au fond de l'indigo, le velours mêlé à l'asphalte, l'univers tout entier, ses orages et ses carnavals, ses races, ses mers, ses mouches, ses puits d'aération, ses lits défaits, tout cela sur une coquille de noix, de coco, il va de soi. Naître, en somme, c'est tout ce qu'il sait faire, mais il est orfèvre en la matière. Vous verrez, il trouvera le moyen de naître le jour du jugement dernier. Il s'y applique quand chacun ne songe qu'à grandir. Il naît quand les autres bataillent, s'épuisent et se reposent. On dîne, on dort, Duke découvre la lune. Il vit les yeux écarquillés, il pratique l'étonnement avec obstination et une sorte de brutalité suave aussi. Tous les jours, au point du jour, les pistes s'effacent et l'ellingtonisme reste à explorer. À l'heure où les couleurs du monde sont exsangues, il se recompose, il se redécouvre, il se recrée avec sa faune et sa flore, ses climats, ses trains lancés à toute vapeur sur des voies de dérail, un monde aux mondanités un peu minaudières peut-être, mais dont les sauvageries, en revanche, dénotent un extrême raffinement. Ellington est un mot qui ne devrait s'écrire qu'au pluriel, puisqu'il est impossible de le penser autrement. Duke Ellington est un nom qui a su s'écrire de multiples façons. Bubber Miley, par exemple, ou bien Billy Strayhorn. Plus qu'aucun autre créateur en ce siècle, l'homme qui le portait aura su renaître dans la peau des autres.
emprunter leur voix et leur regard, mais aussi, dans le même temps, leur offrir un deuxième souffle, une double vue, un second, un troisième, un dixième, aller un centième baptême. L'ellingtonisme fut une occasion pour des musiciens qui n'étaient pas Duke Ellington de devenir un peu plus eux-mêmes que si ce vampire considérable ne s'était pas nourri de leur substance, et pour nous autres, il fut une chance de mieux vivre notre propre existence, de redevenir à nos propres yeux, devant le spectacle d'un monde rendu in extremis à son commencement, aux brousses de l'Afrique, des illusions originelles, des êtres d'attente et de mystère coiffés par l'absence de vent. Et cela, malgré notre héroïque, malgré notre terrible lucidité. Pour saluer le Duc, nous recevons ce soir Lucien Malson, sans qui Black & Blue ne serait pas, et qui a dégagé dès 1952 la quintessence de l'ellingtonisme dans son premier Que sais-je, Les Maîtres du Jazz. Chotan, Pagzinski et moi, un familier de cette maison, producteur à France Musique depuis des lustres et président de l'Académie du Jazz pour faire bonne mesure, Claude Carrière. Claude, qui compte parmi l'élite internationale des ellingtonistes, est le maître d'œuvre pour la collection de réédition Masters of Jazz du monumental Anniversaire, proposé il y a peu et à un prix concurrentiel, je le précise au passage, moins de 500 francs pour près de 15 heures de musique. Notre invité a eu l'idée originale, très originale, de traiter en 13 CD, autant qu'il y a de lettres dans Duke Ellington, 13 thèmes, Ladies, Jungle, New York Dance, etc., selon lesquels il brouille avec bonheur les anciennes grilles de lecture. Grâce à lui, l'univers que les néophytes sont invités à explorer, ceux qui croient bien le connaître s'aperçoivent qu'ils le redécouvrent. Pendant ce temps, BMG nous propose l'intégrale en 23 disques de la production ducale pour RCA Victor entre 1927 et 1973, tandis qu'on trouve chez Frémaux et Associés un excellent florilège en 36 titres seulement, celui-là, Plaisir d'Ellington, de Duke and His Men, conçu par Alain Paillet. Le morceau que nous avons choisi comme indicatif, c'est la dernière plage du volume Ladies de l'anthologie Masters of Jazz Duke Ellington Anniversary dont je viens de parler. C'est une composition du maître lui-même, beaucoup plus qu'un simple thème, on a pu s'en rendre compte, de Tattooed Bride, la fiancée, en fait peut-être la mariée tatouée qu'il présentait lui-même en concert le 10 décembre 1948 à l'université Cornell. Alors Ellington, au début, explique au public qui s'en amuse de quelle façon géométrique est tatouée son héroïne et comment il a tenté de traduire ses dessins répétitifs par des sons récurrents dont l'orchestre présente quelques échantillons. Bon, c'est une aimable plaisanterie, bien sûr, mais c'est un propos révélateur, je crois, dans la mesure où il est impossible d'aborder cet univers ellingtonien sans parler couleur, chromatisme, peinture même, et nous verrons pourquoi. Alors la première question que je veux poser à notre invité, elle est bateau celle-là, mais elle est aussi inévitable, est-ce que l'on peut dire, Claude, que cette musique est aussi souvent descriptive qu'on entend dire qu'elle est descriptive, même lorsqu'elle décrit au besoin des géographies imaginaires, des climats fictifs, voire des couleurs irréelles? Oui, des couleurs en musique. Si on joue le jeu du grand talent d'Ellington comme homme de scène, on joue le jeu de ses descriptions et puis on a tendance à le croire et à mettre dans cette musique ce qu'il veut bien nous raconter. Et c'est vrai que c'est une plaisanterie, cette Tattooed Bride, mais la plupart de ses descriptions
sont des plaisanteries. C'est vrai qu'un morceau comme Moon Mist ou un morceau comme Dusk ne peut pas avoir la structure rythmique de quelque chose comme Rockin' in Rhythm, parce que ces couleurs, ces douceurs sont associées à des tempos lents dans notre culture. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'autre aimable plaisanterie du Harlem Airshaft, vous savez, par les conduits d'aération de Harlem, on peut entendre les gens s'engueuler, s'aimer, on a des odeurs de cuisine, etc. Et puis vous regardez, j'ai les feuilles de séance, moi, toutes les feuilles de séance de RCA, ça s'appelait pas Harlem Airshaft, ça s'appelait Rumpus in Richmond. Et puis ce titre a été pris et donné à un autre titre, il y avait un deuxième titre, Once Over Lightly. Donc il a mis ce titre après, puis il a inventé une histoire après. Alors description, à part le train, qu'est-ce qu'on peut décrire un petit peu par l'imitation peut-être? Je crois pas, mais c'est la poésie de... D'autant plus qu'il avait le génie des titres. Je me souviens de Jerry Mulligan qui me disait « Aïe, aïe, Ellington et Strayhorn ». Bon, évidemment, ils avaient le génie de la musique, mais ils avaient, contrairement à moi, le génie des titres. C'est néanmoins un homme hanté par la couleur. Oui, mais moi, j'ai envie d'intervenir un peu, parce que on dit souvent, au début, Ellington, c'est un travail d'atelier, c'est pas tellement Ellington qui écrit, mais ces gens vivent ensemble, travaillent ensemble, inventent ensemble, et voyagent même au début ensemble. Enfin, ils sont dans des cars, et vous savez, quand se passe des orchestres dans des cars, mais quand le chef d'orchestre est là, ou quand il est pas là, ça, ce sont des plaisanteries sans arrêt, des jeux de mots, on voit une devanture, ah, et de là naissent les titres, c'est un foisonnement perpétuel. Tout de loup, c'est une interjection de noir chant. Parce que, vous savez ce qui se passe, avec le succès venant, les tournées, ça se passe plus comme au début. Après la quarantaine, je crois que Duke Ellington ne prend pas le car, et il y a une sorte de séparation. Il y a les musiciens d'un côté, et Monsieur Ellington et Harry Carnet, qui est chauffeur, prend une limousine ou une voiture à part. Il y a une sorte de coupure, là. Et peut-être... Alors, je rentre un peu... On a parlé du déclin d'Ellington. Je me demande si ce déclin ou cette décadence ne vient pas du fait que Duke se coupe de sa base. Alors, c'était une idée qui n'était pas la mienne. C'était André Oder qui, dès 50, très lucidement et avec beaucoup de courage, commençait à dire, attention... Il y a un déclin chez Duke Ellington. Je crois que c'est le premier, peut-être, qui a dit ça. Il y a des listes de capot. Hein. Sur la pente de la facilité. Oui. Voilà. Et le goût du chromo, etc. C'est-à-dire, tout. Et alors là, ce qui est admirable dans ce choix, c'est qu'on a ce que Oder appelait les œuvres nobles. C'est-à-dire, justement, les œuvres du début, non pas contaminées par une esthétique de nouveau riche, ou, bon, il dirait pas ça comme ça, mais il y a une sorte de goût du chromo. Chromo, c'est des images comme ça. Il y a du mauvais goût dans les suites d'Ellington, quand même. Hein. Alors, mais justement, dans toute cette sélection, on n'a pratiquement que les œuvres nobles. C'est intéressant de savoir ce que pense Claude admirable. De ce que non, tu dis, non, justement, Jean-Louis. Non, mais c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a des périodes de, il y a un déclin à une certaine époque, il y a des périodes de déclin, et puis il y a des retours formidables, et puis il y a des pertes de musiciens dues, par exemple, à la guerre, aux conditions, comme vous disiez, en voyageant en autocar, en voyageant en train, en pullman, et ils voyagent avec les musiciens, et puis il y a petit à petit cette séparation qui se fait, je ne sais même plus s'ils descendent dans le même hôtel dans les toutes dernières années. C'est devenu une star. Les questions de mauvais goût et de bon goût de la part d'un musicien très américain, au fond, plus américain que Al Capone, par exemple, de plusieurs générations, c'est très difficile à... De notre part, de la part d'Européens comme nous, c'est très difficile à juger, je pense. Une seconde à propos des méthodes de travail, j'ai beaucoup de témoignages de musiciens qui ont joué avec Duke. J'en ai connu beaucoup dans les années 50 et dans les années 60. Et ce travail en commun, j'ai vu répéter l'orchestre assez souvent, continuer. Clark Terry peut, à l'écoute de disques, vous dire, tiens, ce petit passage, c'est moi qui l'ai amené en 52, je suis parti, c'est resté.
de mémoire. Mais ce qui me rend un peu... Tiens, ce thème, c'est de la moitié, c'est de moi, la moitié, c'est de Jim Hamilton, l'arrangement est de oui, de Duke. Mais ce qui coupe un peu mon admiration, c'est que quand même, qui signe à la fin, c'est quand même Duke Hamilton. Ça peut toucher les droits. Mais c'est aussi un Bach. Alors lui, il n'en écrivait pas. Bach et Mozart n'ont pas arrêté d'emprunter des thèmes partout. De là, quoi. Non, mais je crois que peut-être pour situer le débat sur un autre plan, je crois que d'une façon beaucoup plus générale, c'est le problème, puisque c'est une figure qui nous écrase. Il faut quand même commencer par là, n'est-ce pas? Je crois que Duke Ellington, Armstrong, Parker, ce sont des gens qui nous écrasent. Alors, donc, ce sont des personnalités qui marquent la musique du XXe siècle. C'est une banalité de le dire. Alors, simplement une chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas uniquement le problème du jazz, c'est le problème de la création et de l'isolement de l'artiste et de son adaptation à la vie réelle d'un orchestre en tournée. Autrement dit, je voulais poser la question à Claude, il y a le morceau Solitude, qui est une pure beauté, une pièce pour piano seul, qui sera reprise, je crois, Claude, à beaucoup de reprises, n'est-ce pas, au cours de sa carrière, sous différentes formes, avec le disque avec Max Roach et Charles Mingus. Mais là, ce qui m'intéresse, et ce que je voudrais avoir l'avis de Claude là-dessus, et votre avis, messieurs, c'est de savoir comment un homme de cette envergure a pu concilier un isolement, une lutte, la lutte intime qui existe chez chaque artiste, c'est-à-dire la lutte intime de l'homme qui crée, et de cette adaptation, donc, à la vie de l'extérieur, autrement dit, l'introverti et l'extraverti. Alors, ils vous donneront leur avis après le morceau que nous allons entendre. Thank you.
Riding on a Blue Note, c'est une version de concert, vous avez pu vous en rendre compte, gravée le 17 août 1940, et il y avait parmi les solistes Cootie Williams à la trompette et Johnny Hodge au soprano cette fois. Il faut se souvenir que dans les années 20, Duke aurait bien souhaité engager Sidney Bechet. La chose ne s'est pas faite. Mais en revanche, est venu Hodges, qui avait été l'élève et le protégé de Sidney pendant un certain nombre d'années au tout début de sa carrière. Alors, nous avons donc affaire à une version de concert qui n'est pas la version que l'on pourrait appeler officielle, que l'on trouve dans les disques proposés par les grandes compagnies. Et c'est le cas d'un certain nombre de pièces que vous avez retenues dans ce florilège, Claude. Ce qu'on a entendu, vous avez voulu nous faire de bonnes surprises. Eh oui, ce qu'on a entendu tout à l'heure, déjà, c'est un enregistrement en public dans une université à Cornell, d'une pièce qui ne sera enregistrée que 2 ans plus tard en studio. Ça, la version originale date de 2 ans et demi auparavant et est beaucoup moins bonne que celle-ci. Il n'y a pas de soprano, il n'y a pas Blanton, par exemple, et le swing est beaucoup moins évident. Dans chaque disque, il y a 2, 3 ou 4 choses comme ça de surprise. Et en particulier, des morceaux qu'on peut entendre dans leur intégralité, alors qu'ils ont été coupés pour les besoins du 78 tours. Il est très nettoyé, le son est superbe. Hein. Il n'y a pas. C'est souvent dans les choses comme ça, dans les craquements, de tous les côtés. Là, le son, quand on pense qu'il n'y avait pas de stéréo du tout la plupart du temps, à cette époque-là. Et c'est une précision sonore. Alors, il y avait un enregistrement, j'imagine, assez bon au départ, mais comment. Ça, c'est un travail considérable qui a été fait pour nettoyer tout ça. Alors, on va au studio avec le technicien, on remet les morceaux à la bonne hauteur. Pitch. Oui. Et maintenant, on a la bonne hauteur sur l'ordinateur, ce qui est beaucoup plus juste que sur un petit clavier. Et puis, on utilise des 78 tours en bon état qui ont été joués avec une aiguille en bois en général, de collectionneurs comme Jean Portier, par exemple. Et puis, on nettoie avec un technicien qui est aussi un musicien, un mari de musicienne et qui a une grande oreille, qui a la passion de la musique. Ça fait 13 disques, ça fait 13 journées au studio, en plus du travail de choix et d'écriture. Bon, Claude, vous n'allez pas laisser sans réponse la question. Ah oui, j'attends la réponse de Claude avec impatience. Oui, comment concilier la vie quotidienne? Je feuilletais avant de venir des espèces de day by day de d'Ellington, et c'est vrai que, par exemple, la période du Cotton Club, c'est 2 shows. Quelquefois, c'est la danse le samedi pour les gens, en plus, quelquefois, le breakfast dance. Et avant les shows, il y a, par exemple, 15 jours dans un théâtre pour accompagner Maurice Chevalier de 8h à 10h, et quelquefois un concert l'après-midi. Et il se trouve que je suis allé rendre visite l'an dernier, en avril, à un an maintenant, à la sœur de Duke, sa jeune sœur, Ruth Ellington. Et on a parlé de ce travail. Comment pouvait-il mener une telle vie et être aussi créatif? Parce qu'il aimait écrire. Et alors, il vivait dans le même appartement à l'époque, à Edgecombe Avenue, là-haut. Elle était à l'école. Elle a 16 ans de moins que lui. Et elle l'entendait arriver du Cotton Club et se mettre à travailler doucement au piano, comme ça. Elle partait pour l'école, il travaillait encore, il dormait. Et la fin de la matinée, le début de l'après-midi, et il se remettait à travailler, où il allait soit jouer, soit enregistrer. Jusqu'à sa mort, il composait dans les chambres d'hôtel, systématiquement. Il nous est arrivé à New York, il venait de faire 2000 km en voiture, et par hasard, je suis tombé sur des gens de l'orchestre que je connaissais, Carney, Gonzalez, Prokop. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? On allait se promener, prendre un bateau avec mon épouse, et ils nous ont invités au Lincoln Center à assister à la répétition sur la scène. Ça, c'était en 73. Ellington avait 74 ans. Il était venu de la Caroline du Sud dans une voiture de gens qui revenaient de vacances. Il était entre le gosse et le chien. Et à midi, ils étaient sur la scène du Lincoln Center. Il avait 4 pièces nouvelles à faire répéter à son orchestre. Ils ont répété jusqu'à 5h30, 6h. Après, ils se sont habillés, ils ont donné un premier concert à 6h30, un deuxième à 10h, et le lendemain matin, ils partaient pour Philadelphie.
Sur le plan ça, c'est des témoignages personnels. Claude, sur le plan de la répétition, on dit que l'orchestre répétait séparément sans la section rythmique. Est-ce vrai? Non. J'ai jamais vu ça. Non. Parce que je crois que c'est Sam Woodyard qui raconte peut-être. Ça. Ça a dû arriver, oui. Thank you.
2 janvier 1945, Johnny Hodge, soliste de The Mood to Be Wood. Là encore, il ne s'agit pas de la version qui nous a été proposée par une majeure compagnie, mais bien d'une pièce réalisée pour l'exploitation radiophonique, non destinée au bac des disquaires. On la trouvera, cette pièce, dans le volume Soloists, soliste, que notre invité Claude Carrière a consacré donc aux primés donnés, comme Duke les appelait, de ce fabuleux orchestre pour le coffret dont nous parlons depuis le début de cette émission, Duke Ellington Anniversary, et Dieu sait qu'il y a là du beau monde, outre Hodges les plus grands. Il n'y en a guère qu'un qui manque, c'est Duke Ellington lui-même, pour la simple raison que Claude lui a dédié, avec raison, me semble-t-il, un disque entier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que c'est un cas très particulier que le cas de Duke Ellington, pianiste. Et André Oder a fait là-dessus une étude très très courte, d'une demi-page peut-être, mais tout à fait passionnante, où il commence à expliquer avec l'intransigeance qui lui est coutumière que Duke, ça n'est pas un extraordinaire pianiste, il lui arrive d'accrocher, parfois c'est un peu raide, c'est un musicien qui revient souvent à des formules stéréotypées, et pourtant, dit-il, de toute cette école de pianistes, et même à Fats Waller, trouvant que ce que Fats Waller n'avait pas tout à fait et dont Duke regorgeait, c'était une vision. Quand Duke se mettait au piano, c'était un univers qu'il avait en perspective, et ça lui donnait, comme accompagnateur et comme soliste, une dimension à laquelle très très peu d'autres pianistes sont parvenus, sauf peut-être quelqu'un qui, par bien des aspects d'ailleurs, allait ressembler à Ellington quelques décennies plus tard, c'est Thelonious Monk, qui d'ailleurs nous laissera un superbe disque d'hommage au morceau de Duke Ellington. Lucien voulait revenir plus particulièrement sur Hodges et la pièce que nous venons d'entendre. Oui, je dirais quelques mots là-dessus. Je crois qu'on ne peut pas écouter ça sans souligner l'importance dans l'orchestre de Duke Ellington de Johnny Hodges. C'est peut-être de tous les musiciens de Duke le plus grand, peut-être après le maître. Mais en tout cas, Duke Ellington, quand Johnny Hodge est mort, a dit « Aujourd'hui, j'ai perdu la moitié de moi-même ». Juste un mot pour suivre Lucien, mais sur un terrain qui m'est évidemment cher, c'est les batteurs. Et le premier batteur et le premier compagnon de Duke, c'était Sonny Greer, hein, n'est-ce pas, dès 1919. Vous allez pouvoir l'entendre remarquablement bien enregistré dans le morceau qui suit, d'ailleurs. Alors, justement, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Dans le morceau que nous venons d'entendre, Alain, justement, je disais justement à Claude, hors micro, que c'était extrêmement... Il y avait un arrangement assez... complexe, n'est-ce pas? Et le batteur est le seul qui n'a pas de partition devant lui. Donc tout le monde lit la musique, il y a un arrangement qui est fait au dernier moment. Le seul à qui on demande de faire intervenir la mémoire au plus haut degré, c'est le batteur. Il faut quand même le souligner. Et quand même, pendant 30 ans, plus de 30 ans, Sonny Greer, de 1919 à 1951, a été au service d'une musique unique. Après, simplement, il y a eu tellement de batteurs qui sont succédés, les plus célèbres étant Louis Belson, Sam Woodyard, Rufus Jones, sans doute. Mais Sonny Greer, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose, Claude, sur ce sujet? Une chose très, très, très simple et très succincte. George Jones l'appelait « Empire State Building ». Je ne suis pas très sûr, les enregistrements de concerts, il est souvent tout à fait remarquable et très présent, beaucoup plus présent que dans les disques qu'on a l'habitude. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, on enregistrait la batterie très en arrière, et les jeunes gens qui ont enregistré le disque suivant à Fargo se sont vus reprocher par les musiciens de l'orchestre, le soir même, quand ils ont écouté les acétates, d'avoir trop enregistré de batterie, alors que c'était simplement parce qu'ils ne pouvaient pas mettre les micros ailleurs, ils avaient simplement deux bouts de fil. Le micro, gardez-le, Claude. Vous avez choisi donc un morceau qui s'appelle Sepia Panorama pour de multiples raisons, mais je suppose aussi que parce que c'est une composition assez caractéristique de Duke par sa forme, la façon dont le morceau est architecturé. C'est les musicologues ont des formules pour ce genre de construction, éventail, miroir, enfin ce qui se passe au début à la fin est la même chose, et
se rejoint au centre. Bon, ça s'appelle Sepia Panorama. Cette version est extraite d'un concert qui fut donné, concert très célèbre de Duke Ellington, le 7 novembre 1940. Et il y a là notamment Jimmy Blanton à la contrebasse, Juan Tizol au trombone à piston, Ray Nance au cornet, Harry Carney au baryton, Duke lui-même au piano, et Ben Webster au saxophone ténor, plus à la batterie, Sonny Greer, très audible. Thank you. Now we bring you our bass player, Jimmy Blanton, in the solo role of our radio theme, Sepia Panorama.
Sépia Panorama, Château Ellington 1940, un des tout meilleurs millésimes, peut-être le meilleur de tous. Alors Sépia Panorama, pour nous Sépia, ça évoque les photographies Sépia, on se croirait un peu dans une chanson nostalgique de Charles Trenet. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Finalement, est Sépia tout ce qui n'est pas blanc de peau? Alors on a eu des Sépia Sinatra. Il a été le Sépia, je sais plus quoi, le Sépia Whiteman à une époque, enfin sur des... C'est un titre absolument ridicule. Ce morceau s'appelait Night House. Et puis, ça ne lui plaisait pas. Le titre ne lui plaisait pas. Et Dinah Shore, qui était une de ses amies, qui était une chanteuse à l'époque, de très jolie variété, a eu l'idée de ce titre. Elle a donné, elle a proposé, et ça a été pris. Mais il y a énormément voilà de petits qui tournent autour de la couleur noire. Oui, de toute façon. C'est vrai qu'il est obsédé par la négritude. Oui. Et le mot nègre revient dans sa bouche comme un mot noble. C'est sa façon à lui. Il a toujours dit de sa lutte pour l'égalité des droits, c'est la lutte d'un homme de sa génération et à travers sa musique plutôt qu'à travers des déclarations. Encore que j'ai trouvé une déclaration assez raide de 1958. Parce qu'on a souvent dit un peu n'importe quoi à son propos, le vieux conservateur rabougri, etc. Et là, il a été très, très sévère à cette époque-là. Oui, on s'est seulement souvenu qu'il avait pris parti en faveur de l'intervention au Vietnam. Ça n'a pas toujours été interprété très sympathiquement à son égard. Mais pour le reste, bon, précisément, la fameuse suite Black, Brown and Beige dont on parlait en 1945 était quelque chose, était une œuvre de combat dans une certaine mesure. Ce qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi beaucoup de critiques présents dans la salle avaient laissé passer ça sans y prêter vraiment toute l'attention que l'œuvre méritait. Il y a quand même une grande mélancolie dans cette musique. Il y a un enthousiasme. On entend tout à coup, tout va bien, n'est-ce pas? Tout est assez clinquant. Et puis tout à coup, vous avez quelque chose qui s'abat sur vous. Là. Il y a 3-4 notes qui arrivent. Et là, oh, on se dit, mais ça nous prend complètement. Puis après, ça repart, n'est-ce pas? Tout à coup, ça va ailleurs. Ou alors, tout à coup, il y a un petit accord, il y a une petite chose. Et ça, c'est tout à fait caractéristique. C'est un homme qui, on n'a pas parlé de théâtre encore, qui sait remarquablement mettre en scène, mettre en espace sa musique. Et d'abord, qui a su créer des espaces, et notamment des espaces imaginaires. Et très vite, dès 1926-1927, grâce à Bob Marley, cet espace d'une jungle, une jungle qui ne ressemble à aucune jungle réelle et qui pourtant exprime la quintessence de toutes celles qui peuvent exister à travers le monde, y compris l'asphalt jungle, la jungle des villes. Lucien, sur le style jungle d'Ellington. Certains de nos amis sociologues, nous les connaissons tous, je ne les citerai pas, qui ont insisté sur un autre aspect du mot jungle. Alors, ce n'est pas la jungle de Kipling, ce n'est pas la jungle africaine, c'est une transposition poétique, métaphorique en musique de Duke. Mais ils ont parlé, ces sociologues-là, parce qu'ils ramènent souvent la musique à la politique, ou tout au moins à la sociologie, puisque c'est leur job, ils nous disent que la jungle chez Duke Ellington, c'est la jungle de Harlem, c'est-à-dire c'est la nuit des longs couteaux, c'est les gangsters, il y a beaucoup de gens que je ne citerai pas ici qui ont insisté beaucoup sur cela. La jungle ellingtonienne, c'est la jungle de la vie courante dans la société pourrie où nous vivons. Je pense que, après tout, les linguistes l'avaient dit avant les sociologues, puisqu'il y a un sens figuré du mot jungle, hein. Il y a des allusions nombreuses, d'ailleurs métaphoriques à cela, à cette lutte pour la vie. Les vieux crocodiles, c'est fait pour manger les autres, hein. C'est pas seulement chez Duke Ellington. Donc je signale ces 3 sens possibles du terme, mais je crois que malgré tout, c'est musicalement qu'il faut écouter tout cela, et ne pas se donner trop d'images, qui seraient d'ailleurs fausses, aussi bien celle de l'asphalte que celle de la brousse ou de la jungle. Quoi qu'on est parfois pas si loin du douanier Rousseau. Hein. Oui, mais là, oui. Peut-être. Il faut dire que c'était très tendance à l'époque. C'est très à la mode. En essence, et c'est une double ambiguïté dans la mesure où les gangsters qui possèdent le Cotton Club ont fait un décor de jungle. Il ne faut pas oublier cette double ambiguïté pour. Et les blancs de downtown viennent pour avoir le grand frisson à travers cette jungle, ces danseuses en peau de bête.
Si la musique. Et cette musique. Oui, on s'est lié avec un casque colonial. Et un knout très chic. Duke Ellington a dit lui-même qu'il aimait beaucoup cette musique-là par son pittoresque. Il aimait ça. Que ça avait pour lui un sens africain très net, il l'a dit très clairement, et qu'il ne reniait pas du tout cet aspect des choses, au contraire. Il faut dire que Duke Ellington, dans les années 20, a participé de son côté, sans le vouloir, sans le chercher, au grand mouvement de la Renaissance noire. C'était à l'époque Garvey, il connaissait très bien. En 1926, c'était le livre de Leroy Jones. Tout ça, Harlem était peuplé de musiciens, d'artistes, de médecins, d'intellectuels. Il y avait des nombreuses revues, des nombreux journaux qui étaient publiés, qui glorifiaient la race noire et l'ancêtre de cette race américaine, afro-américain, on dit aujourd'hui africain-américain, c'était évidemment les Noirs du Bénin. Alors nous allons écouter Waylow, encore une version de radio. Elle date, celle-là, du 24 novembre 1945. C'est donc du style jungle tardif. Parmi les solistes, Harry Carney. Alors un Harry Carney au déboulé à la fois majestueux et menaçant. Et puis, je le citais tout à l'heure, Rex Stewart qui, sur son cornet bouché, sonne comme tout un quartier louche. And now, here is the man who is affectionately known as the Duke, of Ellington and his orchestra, and a real low-down African lament called Waylow. And listen to that baritone saxophone of Harry Carney. Thank you.
Extrait du volume Jungle, c'était Wellow, une composition d'Ellington lui-même, interprétée par son big band dans novembre 1945. Et Claude Carrière me souffle qu'à l'origine, cette pièce avait été baptisée African Lament. Voilà, c'est à vous. Jusqu'à ce que vous disiez que Duke Ellington s'était éloigné de sa formation Batterie Existence à partir de la quarantaine, je croyais, au vu du nombre de ceux qui furent véritablement des pensionnaires de son orchestre, qu'il y avait un système ducal de fidélisation au plan de la mise en valeur des talents, au plan de la gestion des crises de succession, parce qu'il y en a eu quelques-unes, en particulier Jimmy Blanton. Alors, qui lui a succédé? C'est Alvin... Hagelin. Et puis, un tout petit peu après, c'est Oscar Pettiford. Mais un autre exemple, c'est celui de Paul Gonsalves, qui avait pour modèle Ben Webster, c'est ça. Et qu'il savait d'ailleurs à la limite plagier. Il pouvait reprendre à la note près certains solos. Bon, il va lui succéder assez naturellement. Et puis, il va même relancer l'orchestre, et là j'en reviens au déclin dont vous parliez tout à l'heure, à Newport en 56. Mm-hmm. Donc, il y a une sorte de formation des talents qui se fait, et c'est pourquoi je croyais qu'il y avait un système ellingtonien, voilà. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de système, hein. Ça se fait comme ça, il n'y a pas... Ça de toute façon, je pense qu'ils devaient quand même, pour la plupart d'entre eux, y trouver leur content, parce que on insiste beaucoup sur le fait qu'un certain nombre de solistes, je ne parle pas de Johnny Hodge, bien sûr, qu'un certain nombre de solistes ellingtoniens, hors de l'orchestre d'Ellington, auraient fait finalement des carrières insignifiantes, voire dérisoires. On oublie dans le même temps que des musiciens, vous citiez Paul Gonsalves, mais Paul Gonsalves, on avait tellement l'habitude de le voir aux côtés de Duke Ellington que très peu de gens finalement saisissaient à quel point cet homme était un grand soliste, un merveilleux improvisateur. Je rappelle que Lester Young, en 1957, je crois, il y avait une sorte de référendum organisé par le critique Leonard Fever pour savoir quels étaient les meilleurs musiciens aux yeux du siècle, s'il vous plaît, aux yeux de leurs confrères, et Lester Young en avait cité trois pour son propre instrument, le saxophone ténor, son vieux rival Coleman Hawkins, son fils spirituel, si on... Bon, c'était un peu une simplification que de dire ça, Stan Getz, et le troisième, Paul Gonsalves. Ça n'était pas rien, quand même. Ils sont restés très longtemps, quand même, les gens sont restés 30 ans, il y a un certain nombre d'entre eux sont restés 30 ans avec certains, Duke, oui. 40, 45 ans. Dans un big band, les musiciens généralement s'ennuient, sauf le batteur, le premier trompette, le premier alto, le baryton, le premier trombone. Alors, et le chef d'orchestre... Non, mais ils ne sont pas nombreux, Jean-Louis. Bon, non, dans un orchestre où ils sont 120, oui, mais pas dans un orchestre. Je parle d'un orchestre de jazz, c'est presque toujours le cas. Alors, s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent une vie confortable, où il n'est pas besoin de chercher des affaires, mais ils ont envie de jouer. Un deuxième alto, s'il ne prend pas de solo toute la soirée, il s'ennuie, mais il est là parce que... Il ne veut pas chercher du travail. Le public connaît leur nom. Chez Duke, tu prends n'importe qui, ils connaissent. Le musicien qui a envie de faire des solos, il faut nuancer quand même, hein, parce que vous savez que pour Johnny Hodge, par exemple, c'était une punition que lui infligeait Duke de l'obliger à faire un solo de plus. Hein, ça, c'était, au lieu de le mettre à l'amende, il l'obligeait à faire un solo de plus. Il faut dire que l'autre jouait à celui qui vraiment n'a pas du tout envie d'être là. Oui. Cet orchestre offrait à ses musiciens la possibilité de se reposer sur leur laurier. Le même Johnny Hodge expliquait à l'envoyé d'une revue française au milieu des années 60 que lorsqu'il prenait ses solos sur les morceaux qui lui étaient dévolus chaque soir, il ne pouvait plus improviser parce que de toute façon ses doigts allaient se poser tout seuls là où il le fallait. Et en même temps, c'était un orchestre où précisément le chef avait presque toujours concocté pendant la nuit quelque chose qu'il vous faisait essayer et vous participiez à ce mouvement de création. Je pense que
ça explique peut-être pourquoi tant de musiciens lui sont restés fidèles. Et puis, ils voyaient quand même leur monde intérieur se refléter dans l'univers ellingtonien. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'à peine Duke en terre, la plupart des gens, à commencer par Barnaby Gart, mais c'est pas le seul, ont commencé à dire « Ah, vous savez, ce morceau-là, bon, c'est Duke qui l'a signé, mais en fait, c'est moi qui ai tout apporté. Bon. » Oui, alors, c'est sûr, Barnaby Gart revendiquait notamment « Rocking in Rhythm » et quelques autres pièces. Indigo, mais il avait raison, il l'avait co-signé, et il m'a dit « Ça me fait... » Rocking in Rhythm ne l'a pas co-signé du tout. Co-signé avec Carnet. C'est Harry Carnet qui l'a co-signé, Irving Mills. Ouais. Bon, non, était l'impresario qui signait tout parce qu'il fallait bien qu'il soit payé d'une façon ou d'une autre. Célébrer la naissance d'Edward Kennedy, Duke Ellington, il y a un siècle, Black and Blue recevait ce soir Claude Carrière, à qui l'on doit une anthologie ellingtonienne unique en son genre, puisque thématique, publiée par Masters of Jazz, sous la forme d'un coffret de 13 disques compacts, son titre, je le rappelle, Duke Ellington Anniversary. Participaient aussi à cette émission, par ordre alphabétique, Jean-Louis Chautan, Lucien Malson, Georges Pagzinski, ainsi que le public du studio Sacha Guitry de Radio France. La mise en onde était l'œuvre de Philippe Civil, autour de Christian Prévost. L'équipe technique comprenait aujourd'hui Rémi Fessard et Ariane Herbet. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Vendredi 20.
Duke Ellington lui-même en personne au piano, There Was Nobody Looking, un extrait de sa Deep South Suite à 21h précise.